Le fils vengeur, l'unificateur, le véritable maître d'Ultramar, le souverain des hostes, l'épée de l'unité. Robouté Gilliman est le primarque des Ultramarines, seigneur d'Ultramar et meneur d'hommes hors pair. Ressuscité par l'Adeptus Mechanicus et les Inari, il cherche à lever les forces de l'Imperium et à repousser les séides des dieux sombres. Dominant même les frères de bataille héroïques de son chapitre, Gilliman avance sur le champ de bataille en fusillant l'ennemi du regard. D'une main, il manie l'épée de l'empereur, dont chaque revers fait danser un sillage de flammes. L'autre porte la main de domination, un gantelet de conception antique avec lequel Gilliman peut éventrer les blindés et écraser ses ennemis. Or, la meilleure arme du Primarque est son génie stratégique, qui devance ses ennemis, déjoue les manœuvres et les condamne à la défaite avant même le début de la bataille. Gilliman faisait partie des loyalistes qui combattirent aux côtés de l'empereur durant les Résidorus. Il est actuellement le seigneur commandeur de l'Imperium, premier des hauts seigneurs de Terra, et dirigeant de facto de l'Imperium au nom de son père. Tenu par certains comme un parangon parmi les fils de l'empereur, Robouté Gilliman était autant un homme d'état patricien qu'un guerrier infatigable. Doté d'une intelligence surnaturelle, d'une froide raison et d'une volonté indomptable, Gilliman a forgé sa 13e légion pour en faire une vaste force disciplinée et conquérante qui lui a permis de devenir le maître d'un domaine stellaire dans la frange orientale de la galaxie. Le royaume d'Ultramar, qui au cours de sa vie a regroupé plus de 500 mondes. Il est le 13e fils de l'empereur de l'humanité, le maître des Ultramarines, l'ancienne 13e légion. Il est parmi les plus humains de ses frères. À une certaine distance, on pourrait le confondre avec un homme. Ce n'est qu'en s'approchant qu'on se rendait compte qu'il ressemblait davantage à un dieu. Gilliman brillait d'une beauté ordinaire. Il était beau comme le visage d'un régent paraîtrait beau sur une pièce de monnaie ancienne. De la façon dont une lame paraissait belle. Il n'avait pas la beauté d'une lame rituelle, de la façon dont l'était Fulgrim. Il n'était pas douloureusement angélique comme l'était Sanguinius. Aucun d'eux ne possédait cette même beauté. Il y avait dans sa mâchoire une ligne résolue, comme chez son frère Dorne, avec qui il partageait une même noblesse. Il y avait en lui la grande force de Ferus Manus et l'endurance de Mortarion. Il se trouvait parfois dans ses yeux la morgue du Khan ou la solennité du lion. Dans l'architecture de son nez et de son front, beaucoup prétendaient retrouver l'énergie et le triomphe d'Horus Lupercal. Il n'y avait rien en lui de cette amertume qui assombrissait Corvus Corax ou du désespoir hanté qui persécutait Conrad Kurz. Rien de ce mystère délibéré dont étaient voilés Alpharius ou Magnus le Rouge, et son âme était plus ouverte que celle de Vulcan. Gilliman s'était accompli, grandement accompli, même en comparaison des autres primarques. Il savait que le large éventail de ses réussites troublait ses frères aux visées plus étroites comme Lorgar et Perturabo. Jamais il ne manifesta les pics de fureur que l'on observait chez Angron, et jamais ses yeux ne brillaient de la même lueur psychotique que chez Russ. Il était l'un des rares fils de Terra à pouvoir parler presque parfaitement la langue à Eldari, même s'il y avait certaines subtilités qu'il ne maîtrisait pas parfaitement. Après leur enlèvement mystérieux sur Terra, les 20 capsules d'incubation des enfants primarques se sont posées sur des planètes colonisées par l'homme à travers la galaxie. Des mondes éloignés habités par une grande variété de cultures humaines, et que ce soit par hasard ou par un dessein cruel, chaque monde fournirait un creuset qui tempérerait l'enfant primarque qui deviendrait soit un héros ou un monstre, un tyran ou un libérateur. La capsule contenant la forme de vie en développement d'un primarque tomba sur le monde de Makrag, situé dans la bordure orientale de la galaxie.
Macragge était un monde aride mais pas inhospitalier, qui faisait partie d'un ancien empire stellaire des âges passés que l'homme avait habité pendant des siècles, depuis l'époque du Moyen-Âge technologique. Ses industries avaient survécu relativement intactes à l'ère des luttes, et ses habitants avaient conservé une société autoritaire mais structurée. Y furent remarquablement conservés un certain nombre d'antiques vaisseaux capables de voyager dans le warp à courte portée, qui pouvaient être utilisés pour le transit stellaire si les conditions le permettaient. Et ses habitants avaient continué à construire des vaisseaux spatiaux légers même pendant les tempêtes warp les plus intenses. Cela avait permis aux habitants de Macragge de rester en contact avec plusieurs systèmes humains voisins malgré la fureur des tempêtes, maintenant ainsi un lien ténu avec le reste de l'espace humain et de savoir qu'il n'était pas seul dans les ténèbres. Ainsi, lorsque la capsule du Primarque fut découverte par un groupe de nobles qui chassaient dans une forêt locale, ils surent immédiatement que c'était un appareil technologiquement avancé plutôt qu'un objet issu de la superstition ou de la magie. Les nobles brisèrent le sceau de la capsule et y découvrirent un enfant d'une beauté saisissante et parfaitement formée, entouré d'une aura de lumière. L'enfant fut amené devant Connor Gilliman, l'un des deux nobles qui portait le titre de consul et dont l'autorité régissait la région la plus civilisée et la plus puissante de Macragge. Connor adopta l'enfant comme son propre fils, tradition qui n'était pas rare dans sa culture, le baptisant en Rebouté. Le jeune primarque grandit anormalement vite et, ce faisant, ses forces physiques et mentales uniques devinrent évidentes pour tous. Il est enregistré qu'au moment de son 10e anniversaire, Gilliman avait maîtrisé tout ce que les tuteurs les plus sages de Macragge pouvaient lui apprendre. Sa perspicacité sur les questions d'histoire, de philosophie et de science étonna ses enseignants. Tandis que sa mémoire était absolue et sa capacité à extrapoler des conclusions précises à partir d'informations fragmentaires était à la limite de l'inexplicable. Son plus grand talent résidait cependant dans l'art de la guerre, elle-même traitée comme une science élevée et louée dans la culture de Macragge. Dès qu'il atteignit sa majorité légale, le père adoptif de Rebouté, Connor, lui donna immédiatement le commandement d'un corps expéditionnaire envoyé pour pacifier les terres les plus septentrionales de Macragge. Nommé Illyrium, c'était une terre barbare de parias et de micro-états en guerre qui hébergeait depuis longtemps des brigands et des mercenaires qui attaquaient régulièrement des terres civilisées tout autant qu'ils s'engageaient comme fantassins pour combattre dans les guerres de leurs voisins. Rebouté mena une brillante campagne et remporta à la fois la soumission et le respect des féroces bandes de guerre illyriennes. Mais quand il rentra, il trouva la capitale de Macragge Civitas plongée dans la tourmente. En l'absence de Rebouté, le co-consul de Connor Gilliman, un dénommé Galan, déclencha un coup d'état contre Connor. Un acte loin d'être inconnu historiquement, même si dans ce cas, ce fut une surprise. Galan, semble-t-il, avait longtemps nourri des desseins d'une domination non partagée et avait conspiré avec les membres de la riche noblesse de Macragge, jaloux du pouvoir politique et de la popularité de Connor, et qui craignait de plus en plus l'avenir de son enfant prématurément précoce. Ces mécontents représentaient l'ancien régime de Macragge, une aristocratie dont la richesse se basait sur de vastes domaines entretenus par le travail d'une multitude de vassaux appauvris. Connor, soutenu par les nobles issus des industries de Macragge, rivaux de l'ancien régime, contesta cet équilibre des pouvoirs, forçant l'aristocratie de Macragge à offrir à ses vassaux un niveau de vie et des droits accrus, affaiblissant sa mainmise. Connor avait également fait appliquer une loi qui obligeait la noblesse de Macragge à lancer un ambitieux programme d'amélioration des infrastructures longtemps négligées de leur pays et à élargir la capitale à leurs frais. Ces réformes ont rendu Connor Gilliman inattaquable aux yeux du peuple. Mais celle-ci était très impopulaire au sein de la noblesse, à l'exception des quelques aristocrates les plus prévoyants. Alors que Rebouté Gilliman et son armée triomphante approchaient de la ville de Macragge Civitas, ils virent la fumée issue d'une multitude de feux et trouvèrent des citoyens fuyant une ville plongée dans l'anarchie.
Robouté avait appris que l'armée privée de Galan avait attaqué le Sénat, tandis que Connor et ses loyaux gardes du corps étaient à l'intérieur. Les réfugiés racontèrent chacun la même histoire. Des soldats rebelles avaient attaqué le Sénat, tandis qu'une foule ivre de colère à l'initiative de Galan, mais désormais hors du contrôle de toute autorité, parcourait la ville en feu, pillant et assassinant. Robouté se précipita au secours de son père adoptif. Laissant ses propres troupes s'occuper des émeutiers, il se fraya un chemin vers le centre de la cité, découvrant les actes sanglants commis par les rebelles dans le district gouvernemental. Mais arriva trop tard au Sénat. Tout n'était que ruines, criblées de balles, et même les rebelles semblaient avoir fui les lieux pour se joindre au pillage. Là, dans les abris sous le bâtiment à moitié effondré, il trouva son père mourant. Pendant 3 jours, le consul blessé avait dirigé la défense du Sénat assiégé, alors même que des chirurgiens se battaient pour sauver sa vie à la suite d'une tentative d'assassinat ratée qui avait déclenché l'attaque chaotique des conspirateurs. Il est apocryphe de dire qu'avant de rendre son dernier souffle, Connor décrivit l'ampleur de la trahison de Galan à son bien-aimé fils adoptif et nomma ceux dont les mains étaient tachées de son sang. La fureur de Robouté Guilliman, suite à la mort de son père adoptif, fut indescriptible. Avec le soutien total de son armée et des citoyens assiégés de Macrax Civitas, Robouté écrasa les rebelles de l'aristocratie, dispersa leurs armées de mercenaires et aligna dans les rues les corps suspendus des émeutiers, rétablissant ainsi rapidement l'ordre dans la capitale et les terres environnantes. Des milliers de citoyens affluèrent au Sénat, et au milieu d'une vague de reconnaissance populaire, Robouté devint l'unique et désormais très puissant consul de Macrag. Le nouveau souverain brisa l'ancien ordre aristocratique et leur confisqua leurs terres et leurs titres. Galan et ses complices furent arrêtés, les meneurs exécutés publiquement et les autres condamnés aux travaux forcés pour reconstruire à la main, pierre par pierre, la ville qu'ils avaient détruite. Ils ne survécurent pas longtemps à cette peine. Dans le nouvel ordre, des soldats loyaux et des colons assidus se voyaient accorder des droits là où l'aristocratie oppressive régnait autrefois. Avec une énergie surhumaine et une vision singulière que seul un primarque était capable d'exécuter, le nouveau consul réorganisa l'ordre social de Macrag, créant une féroce méritocratie où les travailleurs assidus recevaient les postes honorables et accédaient à de hautes fonctions, tandis que ceux qui violaient la loi ou œuvraient contre le bien commun recevaient des peines draconiennes mais impartiales. L'économie stagnante et inégalitaire fut réorganisée, la technologie diffusée plutôt que conservée par l'élite, et les forces armées transformées en une force puissante et bien équipée. Macrag prospéra comme jamais auparavant. Un peuple et un seul ordre, unis sous le règne incontestable de Robouté Guilliman. Alors même que les capsules des 20 primarques dérivaient à travers le Warp, l'Empereur et ses armées progressaient rapidement dans la galaxie. Leur grande croisade avait déjà libéré de nombreux mondes de la domination extraterrestre et rétabli le contact avec des planètes humaines qui étaient autrefois isolées. Tandis que le jeune Robouté Guilliman guerroyait contre les bandits d'Illyrium dans les montagnes au nord de Macrag, l'Empereur et une force de Space Marines atteignirent le monde d'Espandor dans le système voisin. L'Empereur apprit par la bouche des habitants d'Espandor l'existence de Macrag et du fils déjà légendaire du consul Connor. L'Empereur réalisa très rapidement qu'il venait de retrouver un de ses fils perdus. Il prit sans tarder la route vers Macrag, mais son vaisseau fut piégé dans une tempête warp inattendue qui le dévia de son cap. Lorsque l'Empereur débarqua finalement sur Macrag, Robouté Guilliman régnait depuis presque 5 ans. Au cours de cette période, la planète avait subi de profondes mutations. Ses habitants étaient prospères, ses armées bien équipées et ses cités avaient été rebâties en marbre et en acier brillant. Les vaisseaux effectuaient des liaisons régulières avec les systèmes voisins, ramenant des matières premières et toujours plus de colons vers Macrag. L'Empereur fut presque étonné de trouver un monde aussi florissant et comprit que Robouté Guilliman était un primarque à la clairvoyance,
au talent et à l'intelligence réellement extraordinaires. L'empereur rencontra Rogut Egiliman sans avoir recours à la dissimulation qui lui fut nécessaire pour approcher des primarques plus sauvages. Il est en outre affirmé qu'une fois que Gilliman apprit la vérité sur ses origines, il prêta immédiatement allégeance à l'empereur, qu'il savait être son véritable père, car il avait déjà correctement théorisé qu'il avait été délibérément créé pour un but précis. Les observateurs impériaux ont immédiatement compris que Rogut Egiliman possédait une intelligence analytique puissante, même comparée aux capacités cognitives surhumaines de ses pairs, ainsi qu'un talent stupéfiant pour la gouvernance et pour la macro-organisation. Pourtant, peu devinèrent ce que ces talents mis à profit pour la Grande Croisade allaient réaliser. La 13e Légion Space Marines fut assignée au commandement de Rogut Egiliman en peu de temps, car le Primarque n'eut pas besoin d'encouragement ou d'assistance pour assimiler les connaissances sur la galaxie, sur la Grande Croisade et sur les nombreuses merveilles technologiques du tout nouvel Imperium de l'humanité. L'honneur que Rogut Egiliman avait accordé à la 13e Légion en acceptant sa fidélité fut un événement accueilli avec beaucoup de joie et de fierté. L'art oratoire et la vision avec lesquelles leur primarque retrouvait leur exposa ses desseins pour l'avenir et la justice de la Grande Croisade remplirent les légionnaires d'Astartès d'une vigueur renouvelée et dissipèrent toute ombre de doute dans leur esprit, faisant en sorte que la prise de commandement de Gilliman se fit sans heurts selon les documents officiels. La discipline martiale, l'honneur altruiste et le génie tactique des Ultramarines sont à attribuer directement à Rogut Egiliman. La 13e vit sa base avancée établie sur Macrag alors que le Primarque assimila rapidement les merveilles technologiques de l'Imperium et se mit à l'œuvre avec enthousiasme et talent. Les plus grandes compétences de Rogut Egiliman brillaient dans le domaine de la guerre et il mena les Ultramarines vers de glorieuses conquêtes dans le sud de la galaxie. Aussi rapidement qu'il avait mis ses plans à exécution pour Ultramar, Gilliman se lança dans la réorganisation et la ramification de sa Légion. Il adopta un plan extrêmement détaillé inspiré à la fois des doctrines militaires et des philosophies politiques de son monde d'origine et d'une étude détaillée de l'histoire de la 13e, de chaque Légion et de chaque force armée sous la bannière de l'Empereur sous leur forme en vigueur. Ainsi, il rebâtit en conséquence la structure organisationnelle et les doctrines tactiques de sa Légion. Le résultat fut une force admirable, élaborée et hautement méritocratique. Sans surprise, il s'appuyait sur de nombreux éléments déjà manifestes dans le caractère de la 13e Légion, car le patrimoine génétique de leur primarque avait déjà partiellement façonné les Ultramarines qui, même inconsciemment, recherchaient à travers l'analyse et la raison à éliminer les faiblesses et les insuffisances pour atteindre le résultat militaire optimal. Comme pour la plupart des entreprises de la Légion, le Primarque considérait qu'il s'agissait d'un plan sur le long terme, et il adopta rapidement une double doctrine qui englobait parallèlement les valeurs anciennes et déterministes du guerrier. Le courage, la discipline, la compétence et l'adaptabilité, définis comme ce qui était pratique, et d'autre part, la planification, le précédent, l'analyse et l'évaluation, définis comme ce qui était théorique. Les deux éléments doctrinaux avaient un poids et une valeur similaires, l'un complétant et informant l'autre, se confondant comme les métaux qui forment une fine lame. Cela devint la doctrine et le credo de la Légion. Comme pour la société que Rogut Egiliman avait construite sur Macrag, la 13e Légion sous son commandement était aussi impitoyable qu'elle était efficace. Les capacités de l'individu étaient valorisées dans leur ensemble et la vie d'un élément jamais sacrifiée sans raison ou sans but. La doctrine soulignant que chaque Astartès perdu affaiblissait ce qui restait. Au sein de la Légion, la bravoure et la réussite de l'individu étaient récompensées avec honneur et responsabilité. Mais l'obéissance à la hiérarchie et à l'ordre qu'elle exigeait de ses membres devait être irréprochable et incontestée. Les signes extérieurs de cette transformation furent frappants. La livrée de la 13e devint d'un bleu profond chassé d'or, tandis que le symbole de l'ancien glyphe Ultima, trouvé sur les cartes stellaires du secteur avant son isolement, fut adopté pour symboliser le nouveau royaume que la Légion incarnait, et avec elle,
la dénomination d'Ultramarines. Comme le suggère une monographie attribuée au commémorateur Amphidale, Robout et Guilliman et sa légion firent le serment de mener la Grande Croisade au-delà des étoiles elles-mêmes si nécessaire pour voir son achèvement. Avec sa base avancée transférée sur Macragge, Guilliman se vit confier le commandement de la croisade dans la région et entreprit rapidement une série de nouvelles conquêtes. Sa 12e flotte expéditionnaire sous son commandement reçut des navires de guerre de dernière génération conçus sur Mars avec la bénédiction de l'Empereur. Les nouvelles conquêtes furent immédiates car les nouvellement nommés Ultramarines augmentèrent rapidement leurs effectifs qui étaient originaires de Macragge, identifièrent des cibles en conformité avec la vérité impériale et sélectionnèrent les forteresses Xenos à des fins d'éradication. Interrompue seulement lorsque la volonté de l'Empereur l'appelait pour se joindre à de plus grandes campagnes, la 12e flotte expéditionnaire se déplaça pendant près d'un siècle jusqu'à l'étendue morte au nord de la galaxie où se terminaient les tempêtes de domination et jusqu'au point Ultimatul à l'est et sud galactique où les étoiles pâlissent et disparaissent dans les ténèbres sans fin du vide exogalactique. Au cours de cette période, les Ultramarines réussirent à libérer plus de monde que n'importe quelle autre légion, et les planètes que Robout et Guilliman ramena dans le giron de l'Imperium ont toujours bénéficié de son intense passion pour un gouvernement efficace et ordonné. À chaque fois que Guilliman et les Ultramarines adoptaient un monde en conformité, leurs forces consacraient autant d'efforts à le rétablir, à mettre en place des défenses autonomes, et à veiller à ce que les agents de la vérité impériale et des industries inséreraient fermement la place de la planète dans l'Imperium. Cette expansion de la civilisation cohésive sur le chemin de la Légion lui permit à la fois de consolider et d'élargir ses lignes d'approvisionnement, facilitant en grande partie la rapidité et la portée des conquêtes des Ultramarines. Aussi inexorablement que son nombre de victoires, les effectifs de la Légion des Ultramarines commençaient également à augmenter. Même avant sa réunification avec son Primarque, la 13e Légion avait pris conscience de ses pertes et avait démontré sa capacité à se développer dans la continuité grâce à la résilience de son héritage génétique lors de la réplication multigénérationnelle. Mais avec la vision du Primarque pour la guider, son sens de l'organisation et son propre matériel génétique disponible pour renforcer davantage les stocks de la Légion, l'expansion qui en résulta fut fantastique, peut-être au-delà des attentes de quiconque, même celle de l'Empereur. Quelques mois après l'établissement de la Légion sur Macragge, le premier afflux de nouvelles recrues était arrivé à la forteresse d'Hera, le nouveau quartier général de la Légion que Robout et Guilliman avait ordonné de construire. Le processus de renouvellement et d'augmentation des effectifs de la 13e Légion commença et fut continu. Des vagues et des vagues de recrues ont été reçues et traitées, non seulement sur Macragge et les mondes environnants d'Ultramar en lente expansion, aussi nombreux soient-ils, mais sur des dizaines de mondes et colonies éloignées que la flotte conquérante de Robout et Guilliman avait atteint. Le processus était méritocratique et exigeant. Seuls les candidats les plus forts et les plus compétents étaient sélectionnés, choisis pour les attributs physiques et mentaux souhaités. Mais le filet était si large que les admissions dépassaient celles des autres légions. Ceci, ajouté au rejet des Ultramarines de la guerre d'attrition qu'ils considéraient comme du gaspillage, créa une amplification dans la mesure où plus la Légion utilisait une action de conformité importante, plus elle gagnait des forces et limitait les victimes. Dans le cas où de lourdes pertes étaient inévitablement subies, la taille même de la Légion et son énorme capacité à se renouveler grâce à son recrutement performant lui offrit une formidable résilience, et ses pertes ont presque toujours été remplacées en quelques années. Au moment où Horus fut nommé maître de guerre, les Ultramarines étaient selon toute évaluation officielle la plus grande Légion Space Marines par nombre d'Astartes, avec une marge considérable. En raison de cette expansion, la 12e flotte expéditionnaire, très importante, a été subdivisée en une vingtaine de petites flottes expéditionnaires permettant à la Légion de se déplacer plus loin, plus vite, chacune comprenant encore des dizaines de vaisseaux et des milliers et parfois des dizaines de milliers d'Astartes. La force numérique de la Légion des Ultramarines est un exploit qui ne fut pas surpassé,
bien que secrètement, d'après certaines évaluations, l'agrandissement tardif de la Légion des Worldbearers viendrait les concurrencer, tandis que les déclarations non vérifiées sur les effectifs de l'Alpha Légion affirmaient qu'ils étaient plus nombreux que ne l'indiquaient les registres officiels, ce qui ne serait pas spécialement étonnant. Cette force militaire et cet empire au sein d'un empire presque autonome qui l'entretenait, Ultramar ayant acquis une envergure communément appelée les 500 mondes avant le déclenchement de la guerre, eurent des conséquences désastreuses sur les Ultramarines et leurs Primarques. Séparés et inviolés à l'est, et étant une grande puissance de fait, l'existence même de la Légion en faisait une menace qui ne pouvait être ignorée par les traîtres. Menace que le plan du maître de guerre et le désir de vengeance des Worldbearers voulaient voir détruite. Sur Kals. Le désir de vengeance des Worldbearers à l'encontre des fils d'Ultramar remonte des décennies avant l'hérésie, lors de la destruction de la cité de Monarchia, surnommée la Cité Parfaite, capitale de la planète Kour, construite par les Worldbearers au cours de la Grande Croisade, comme un magnifique sanctuaire dédié à la vénération de l'empereur divinisé. Exaspérés par la lenteur des conquêtes de la 17e Légion et désapprouvant l'idolâtrie dont il était l'objet dans cette cité, le maître de l'humanité ordonna que les faux temples soient détruits par les Astartes de la Légion des Ultramarines. Gilliman s'exécuta et fit évacuer par la force les habitants de la capitale planétaire ainsi que 16 autres cités et les Raza. L'Orgar et l'intégralité de la Légion des Worldbearers fut convoquée sur Kour. Gilliman rejoignit la surface de Kour à bord de Thunderhawk, accompagné de seulement une centaine d'Ultramarines, la 19e compagnie et de Malkador le Sigillite. Après une violente dispute entre l'Orgar et Malkador, l'Empereur en personne apparut en se téléportant devant l'Urizen, encadré de ses gardes custodiens. L'Orgar et les Worldbearers furent obligés de se prosterner dans les cendres de la ville par l'Empereur lui-même, sous les yeux de Gilliman, réprobateur, et de Malkador le Sigillite, tandis que les Ultramarines se tenaient debout devant eux. L'Orgar fut publiquement humilié par l'Empereur, qui le réprima pour ses croyances religieuses, la lenteur de ses conquêtes, et fut accusé d'avoir failli à la cause de l'Imperium. Forcé de s'agenouiller devant son père, lui un primarque, alors que Gilliman restait debout, il subit désemparé ses réprimandes. Une fois l'empereur retiré sur son vaisseau, Gilliman informa son frère que 20 custodiens l'accompagneraient lui et sa légion pour le surveiller. Ce dernier désaveu provoqua la fureur de l'Orgar, qui accusa Gilliman de s'amuser de son déshonneur et le frappa violemment, lui souhaitant de ne pas vivre la douleur de la destruction d'une de ses planètes et cités. Ce que connaîtra des décennies plus tard le fils vengeur lorsque l'Orgar et Angron ravageront Ultramar. Cette réprimande par l'Empereur et la destruction de leur cité fut un point de basculement dans l'histoire de l'humanité, car elle déclencha la quête spirituelle de l'Orgar, son pèlerinage, qui le mènera à embrasser le culte des dieux du chaos. Elle instilla la haine des Worldbearers envers les Ultramarines, haine qui éclatera au grand jour lors de la bataille de Kals. Plus de 10 000 ans plus tard, Gilliman se souviendra avec regret de cet événement, se demandant si par la destruction de Monarchia, il ne s'est pas rendu responsable de la damnation de son frère et des terribles événements qui suivirent. Dans les dernières années du 30e millénaire, les forces de l'Imperium entreprirent la croisade d'Ulanor, un vaste assaut impérial contre l'Empire Orque du poste de guerre Urlak-Uruk. Le site de l'assaut final des forces impériales se trouvait dans le système central d'Ulanor. Cette croisade marqua le point culminant de la Grande Croisade pour réunir les mondes dispersés de l'humanité. Les Orques d'Ulanor représentait la plus grande concentration de peau verte jamais vaincue par les forces militaires de l'Imperium, avant la troisième guerre d'Armageddon, commencée à la fin du 41e millénaire. L'Empereur en personne commanda les armées de l'Imperium, secondées par Horus. L'ensemble des Luna Wolves furent mobilisés pour mener le fer de lance,
Mais les Ultramarines de Gilliman combattirent aux côtés des White Scars pour purger les systèmes extérieurs en livrant des attaques de diversion. Après la défaite des orques du Lanor, l'empereur de l'humanité retourna sur Terra pour commencer à travailler sur son ambitieux projet d'ouverture de la toile à Ildari pour l'usage de l'humanité. Lors du triomphe du Lanor, à laquelle Gilliman fut absent, le maître de l'humanité offrit à Horus le titre nouvellement créé de maître de guerre pour commander à sa place les vastes forces de la Grande Croisade, faisant de lui le commandant en chef de toutes les armées de l'Imperium et le dépositaire de l'autorité de commandement sur tous les autres primarques et toutes les flottes expéditionnaires de la Grande Croisade. Quand l'empereur proclama Horus maître de guerre de l'Imperium, Gilliman accepta la nouvelle sans ressentiment, et Horus continua à lui demander conseil. Cependant, Horus croyait que Gilliman considérait qu'il méritait autant sinon plus l'honneur d'être nommé maître de guerre. Les autres primarques ne se sont jamais réconciliés suite à l'absence de l'empereur, et leur sentiment d'avoir été abandonné par leur père afin de poursuivre un projet secret dont il refusa de révéler la teneur, ce qui créa de la jalousie et du ressentiment, plantant les graines de la corruption qui engendra l'hérésie d'Horus. Durant l'hérésie d'Horus, rebouté Gilliman fit preuve d'une loyauté absolue envers l'Empereur et l'Imperium, et cherchera à persévérer par tous les moyens idéaux de la Grande Croisade. Étant l'un, voire le plus idéaliste des primarques, il fut identifié par les traîtres comme étant une cible à abattre à tout prix. Pour autant, il sera bouleversé par ce conflit qui verra la fin de la fraternité des primarques, et par la ruine que la trahison d'Horus apporta dans le domaine d'Ultramar. Suite à son allégeance au dieu sombre, Horus mit en place ses plans pour neutraliser le maximum de légions qu'il savait rester loyales envers l'empereur. Il savait que Rebouté Gilliman ferait partie de ses loyalistes. Dirigeant la plus importante légion en termes d'effectifs et à la tête du royaume d'Ultramar qui regroupait 500 planètes, Gilliman et ses fils étaient une terrible menace qui pesait sur le maître de guerre. Alors qu'il préparait le massacre des loyalistes sur Isvan III, il ordonna à Gilliman de rassembler sa légion autour de Kals, planète majeure d'Ultramar. Le primarque des Ultramarines s'exécuta et confirma à Horus que le rassemblement était en cours. En parallèle, Horus envoya Lorgar et sa légion rejoindre les Ultramarines afin de les éliminer par surprise. Lorsque le maître de guerre Horus tourna le dos à l'Imperium, jurant allégeance aux puissances de la ruine et déclenchant l'hérésie d'Horus, son premier acte avant de proclamer sa rébellion contre l'empereur de l'humanité fut de leurrer autant de légions loyalistes que possible. Usant de son autorité de maître de guerre, Horus ordonna à Gilliman de diriger un corps expéditionnaire vers le monde de Kals dans le système de Veridia, au sein du royaume d'Ultramar afin de se préparer à une campagne dans les franges orientales de la galaxie, où, selon Horus, une Wag Orc s'amassait, survivante de la croisade du Lanor. Horus ordonna aux Ultramarines d'attendre l'arrivée des Worldbearers qui devaient soi-disant se joindre à eux pour mener une campagne contre la menace peau verte. À l'insu de Gilliman, la 17e Légion avait depuis longtemps juré allégeance au dieu du chaos. Et son primarque, Lorgar Aurelian, accepta avec joie les ordres d'Horus de refermer le piège sur les rivaux de sa légion. Lorsque la flotte des Worldbearers commandée par le primarque Lorgar, le chapelain Erebus et le cardinal noir Corphaeron arriva sur Kals où s'étaient amassées les troupes Ultramarines, Gilliman était à bord de son vaisseau amiral, le Macraxonor. Il contacta son frère en plateforme hololithique, et devant l'image diffusée en instantané de l'Urizen et de ses officiers, il leur souhaita la bienvenue. Il les informa que ces hommes avaient trouvé une propagation maligne d'un code corrompu qui sévissait alors en ce moment dans la sphère de données de Kals. En réalité, propagé par les Worldbearers et le Mechanicum Noir pour mettre à bas le système de défense de la planète. Lorgar suspendit les transmissions de ses officiers pour parler seul à seul à Gilliman, s'énervant soudainement, accusant Gilliman de chercher à mettre ce code corrompu sur le dos de ses fils,
alors qu'il cherchait qu'à gagner son respect. Gilliman se défendit, ne pensant pas à mal, ce qui calma leur gare, qui invita le primarque des Ultramarines à surmonter la tension entre eux. Gilliman accepta les excuses et invita les troupes de la 17e Légion à débarquer sur la planète Mum. Entre-temps, le primarque des Ultramarines chercha à être seul pour réfléchir sur cet échange et l'importance d'une journée dont il espérait qu'elle réparerait la tension entre lui et son frère depuis Monarchia. Il rejoignit son arsenal d'exposition pour y trouver un sergent Ultramarines assoupi qui attendait depuis des heures qu'il le convoque. Il se nommait Aeonid Thiel et était présent pour recevoir une réprimande pour s'être livré à des exercices théoriques sur la façon d'en combattre et de vaincre des Space Marines. Ses analyses ayant été considérées comme pensées subversives, il avait été déféré à bord du vaisseau amiral pour recevoir sa réprimande. Gilliman l'avait totalement oublié, mais conversa avec lui, exprimant son agacement devant le comportement enfantin de l'Orgar. Thiel l'invita à lui donner une bonne dérouillée, ce qui amusa Gilliman avant qu'il ne retourne au pont de commandement du Macraxonor. Puis, la trahison frappa. Un vaisseau auxiliaire de la flotte, dénommé Campanile, capturé par les Worldbearers avant leur arrivée à Kals, surgit soudainement et fonça vers l'installation d'Ancrage Viridian, un édifice orbital massif fait de jetées et de cales de construction, de bercées et de docks, de manufactures suspendues, d'habitats, de dépôts et de plateformes d'immobilisation. Le Campanile accéléra comme un missile visant la concentration la plus dense des vaisseaux Ultramarines. Lors de l'impact, des dizaines de vaisseaux de la 13e Légion furent annihilés, de même que l'installation d'Ancrage Viridian. Cet assaut soudain décima la flotte de la Légion de Gilliman, et les troupes terrestres des Ultramarines se sont rapidement retrouvées totalement surpassées en nombre par leurs anciens alliés qui, à la surface de la planète, se mirent à les massacrer par surprise, les repoussant sur d'énormes étendues de la planète. La bataille de Kals avait commencé. Rebooté, Gilliman ordonna le rétablissement de la communication du Macraxonor, ne comprenant pas ce qui se passait. Il fut stupéfait de voir les vaisseaux des Worldbearers faire feu à cet instant sur ses propres navires. N'arrivant pas à croire encore à une trahison, il crut que les fils de l'Orgar se croyaient attaqués par les Ultramarines suite au cataclysme déclenché par le Campanile. Puis l'Orgar le contacta en lithodiffusion. Gilliman le supplia d'arrêter ses tirs, expliquant qu'il n'était pour rien dans cette erreur. L'Orgar murmura à peine avant de disparaître, forçant Gilliman à ordonner à ses fils de se défendre, autorisant des mesures allant jusqu'à la riposte armée. Le primarque chercha à contacter par tous les moyens les Worldbearers silencieux, diffusant un message demandant un cessez-le-feu et de le contacter en toute urgence. Il fit transmettre par toutes les transmissions possibles ce message, tout en déplorant les ravages que sa bien-aimée Kals subissait. Mais alors que des aides venaient lui apporter davantage de données sur la situation, le primarque remarqua quelque chose, un détail parmi tous les autres. Un traçage du trajet du Campanile, établi après qu'il ait frappé les chantiers et prouvant que cela ne pouvait être un accident. Immédiatement, Gilliman annula son premier message pour le remplacer par un nouveau. Une déclaration de guerre et la promesse de tuer l'Orgar de ses mains. Cela mena le Risen qui était à bord de son vaisseau, le Fidelitas Lex, à enfin recontacter le seigneur d'Ultramar. L'Orgar se moqua de la perte du sang-froid de Gilliman, qui en échange lui promit de le trucider de ses mains. Alors l'Orgar ouvrit la bouche, et l'univers de Gilliman s'effondra. Le primarque des Worldbearers lui révéla la trahison de Rus, les événements sur Isvan, la félonie de la moitié de ses frères, la mort de Ferus Manus, et celle supposée de Korax et de Vulcan. L'Orgar lui dit qu'il était ici pour le tuer et exterminer sa légion avant d'assurer l'avènement d'Horus à la tête du nouvel Imperium de l'humanité. Puis l'image de l'Orgar se transforma, sa silhouette holoprojetée s'altéra en quelque chose d'inhumain. Gilliman y sentit la puanteur cosmique du Warp alors que cette chose grandissait et que la peau de l'Orgar, vide, s'écoula au sol comme la mue d'un serpent.
Rebouté, Gilliman n'y vit qu'un tour de passe-passe et ordonna de couper la liaison, pour constater qu'elle était déjà coupée depuis le début. La chose était présente sur le pont et Gilliman s'apprêtait à l'affronter quand la chose s'élança vers lui, ses mâchoires écartées, projetant plusieurs centaines de litres de sang humain sous pression, éclaboussant soudain les murs de la passerelle du vaisseau amiral. Les vitres de cristal flex volèrent en éclats dans un blizzard de fragments, se dispersant dans le vide. La tour de commandement de l'immense cuirassé Macrax Honor explosa, aspirant Gilliman dans le vide de l'espace. Mais Gilliman survécut et fut retrouvé par Aeonid Thiel, qui menait un groupe d'ultramarines se battre contre les Worldbearers sur la coque même du Macrax Honor que les traîtres cherchaient à aborder. Rebooté, Gilliman s'était battu pendant 10 heures complètes dans le vide absolu de l'espace, sans apport apparent d'oxygène, sa tête ayant blanchi par le froid intense. Il avait massacré à main nue les Worldbearers qui avaient osé ne serait-ce que poser un orteil sur la coque de son vaisseau, jusqu'à ce que Thiel lui montre l'accès qui lui permit de remonter à bord. Bien qu'immensément fier de ses fils, Gilliman était blessé par la félonie de l'Orgar et par l'existence des démons. Il comprit que le concile de Nicéa, qui avait supprimé les Librarius et les archivistes Space Marines, avait en réalité affaibli les loyalistes en leur privant de l'utilisation de guerriers doués dans le domaine psychique. Il proclama alors la fin de l'édit de Nicéa, de même que le casque rouge, symbole de réprimande, devenait symbole honorable des chefs d'escouade grâce aux exploits de Thiel. Gilliman prit contact avec le chef qui menait la résistance des Ultramarines à la surface de Kals, le capitaine Remus Ventanus, afin de coordonner leurs efforts de reprendre le contrôle de la grille de défense orbitale contrôlée par Corph Iron, qui utilisait les armes de ses stations pour tirer sur le soleil du secteur Viridia, irradiant la surface de Kals à jamais. Ventanus mena un assaut et reprit les silos de défense laser planétaire aidant la flotte des Ultramarines depuis la surface de Kals. Les forces épuisées de Gilliman ralentirent les Worldbearers suffisamment longtemps pour que le reste de la Légion Ultramarine arrive et mette en déroute les renégats du système, bien que cela leur coûtât très cher. Malheureusement, les Worldbearers avaient eu le temps d'utiliser les plateformes de défense orbitale de Kals sur l'étoile Viridia, détruisant les couches extérieures de sa photosphère, rendant ainsi la surface de Kals inhabitable, si ce n'est dans les catacombes et les archéologies de la planète. Au même moment, ils avaient utilisé la bataille qui se déroulait à Kals pour invoquer une tempête warp baptisée la Tempête de la Ruine, destinée à isoler Ultramar du reste de la galaxie et à empêcher les Ultramarines de venir en aide à Terra. Ainsi, Horus avait le chemin libre pour attaquer le monde natal de l'humanité. L'éruption de la Tempête de la Ruine coupa Kals du corps principal de la Légion des Ultramarines et laissa des Astartes de la 13e Légion pris au piège sur la planète, dans une guerre souterraine brutale contre les troupes démoniaques Worldbearers qui avaient également été abandonnées lorsque leur Légion s'était repliée du système. Néanmoins, rebooté Gilliman et une grande partie de sa Légion étaient restés hors du monde à la suite de l'assaut sournois des Worldbearers contre la flotte des Ultramarines. Le Primarque ordonna à sa flotte de partir, la Tempête de la Ruine menaçant de l'emprisonner dans le secteur. Il jura de revenir un jour à Kals et de délivrer la planète des derniers traîtres présents. À la suite de la bataille de Kals, les Worldbearers dirigés par l'Orgar s'allièrent aux World Eaters dirigés par Angron, et entreprirent ensemble la croisade des ombres qui ravagea les 500 mondes d'Ultramar. L'objectif de cette campagne abominable était de propager l'énorme tempête Warp, la tempête de la ruine, invoquée par le premier chaplain et Rebus des Worldbearers à Kals, jusqu'à l'autre côté de la frange orientale. Cette prodigieuse tempête Warp diviserait la galaxie en deux, et empêcherait les Ultramarines de rejoindre leurs alliés alors qu'Horus attaquerait Terra pour tenter de renverser l'empereur de l'humanité. La croisade des ombres dévasta au moins 26 mondes, faisant des milliards de morts.
Fou de rage après la bataille de Kals et devant la dévastation de son domaine, le seigneur d'Ultramar rassembla tous les vaisseaux qu'il pouvait trouver et partit traquer ses frères. La flotte vengeresse de Gilliman rattrapa les traîtres sur le monde natal d'Angron, Nuceria, un monde que Gilliman avait annexé à Ultramar après avoir fait la paix avec ses dirigeants après qu'Angron fut retrouvé par l'Empereur, dont toute vie avait été éradiquée par les World Eaters sur ordre de l'Ange Rouge, en vengeance pour sa vie d'esclave et la mort de ses frères et sœurs gladiateurs. Le vaisseau amiral temporaire du Primarque des Ultramarines, le Courage Above All, était à la tête d'une armada de 41 vaisseaux rassemblés à la va-vite, dans le but de frapper le plus vite possible les forces renégates. Engagé contre la flotte combinée des Worldbearers et des World Eaters qui comptait 3 vaisseaux supermassifs, 2 Gloriana et un Abyss Class, affaibli suite à la division des forces hérétiques pour attaquer divers mondes à divers endroits d'Ultramar, la flotte de Gilliman détruisit le vaisseau amiral de l'Orgar, le Fidelitas Lex, qui alla s'écraser sur la surface de Nuceria et endommagea gravement celui d'Angron, le Conqueror. Tandis que les combats faisaient rage, enveloppés par l'ombre de l'épave du Fidelitas Lex qui s'écrasait dans la mer proche du champ de bataille, Gilliman, armé de ses gantelets énergétiques, débarqua et se jeta sur son frère l'Orgar, animé par la haine et la fureur. Toute notion d'humanité ou de clémence avait disparu de chacun d'eux, ne laissant plus finalement que 2 hommes se méprisant mutuellement et n'ayant pour but que leur mort respective. Les 2 primarques se battirent sans prêter attention à leurs guerriers, leurs mouvements divins apparaissant comme un flou illisible pour les Space Marines luttant autour d'eux. Gilliman confronta l'Orgar pour ce que sa légion avait fait à travers les 500 mondes d'Ultramar. Soudain, alors que les 2 primarques continuaient à se battre dans une lutte acharnée et sans merci, Angron sortit des rangs des Ultramarines et se lança sur Gilliman en proie à une haine meurtrière. Gilliman fut repoussé par la tempête de coups d'Angron tandis que l'Orgar en profita pour se replier et engager un rituel qui allait changer le destin d'Angron. Angron et Gilliman se battaient et s'injuriaient toujours, le seigneur des Ultramarines cédant du terrain à chaque fois qu'Angron portait un coup. C'est à ce moment que l'incantation de l'Orgar paralysa les muscles d'Angron et commença à transformer l'Ange Rouge en un prince démon de corne. Gilliman fixa révulsé Angron au sommet du monticule de dépouilles en armure de leurs 3 lignées. La 13e Légion se replia alors en bon ordre, abandonna le monde ravagé de Nuceria. Malheureusement, Ultramar était isolé par la tempête de la ruine que l'Orgar était parvenu à mettre en place. La campagne entre les 2 légions renégates était terminée pour le moment. Pendant la guerre, les traîtres avaient invoqué une puissante faille warp connue sous le nom de Tempête de la Ruine qui divisa l'Imperium en 2 et coupa la moitié de la galaxie de la lumière de l'Astronomican. Dans Ultramar, lorsque la lumière s'éteignit, rebouté Gilliman se mit à craindre le pire, la mort de l'Empereur et la chute de Terra. Il mit donc en place un plan de secours et créa un nouvel empire pour réunir les éléments loyalistes de l'humanité. L'Imperium Secundus était né. Il avait chargé un Iron Warrior loyaliste, Barabbas d'Antioche, de comprendre le fonctionnement d'un dispositif Xenos se trouvant sur la planète d'Ultramar de Sota. D'Antioche parvint à activer une communication instantanée, tel un hologramme parfait, avec Gilliman qui s'était replié sur Macrag. De plus, l'appareil en question, le Pharos, agissait comme un phare dans le Warp, remplaçant l'Astronomican et qui guida les loyalistes perdus dans la fureur du Warp déclenché par la tempête de la ruine jusqu'à l'orbite de Macrag. Ainsi, des éléments des diverses légions comme les Ironens, les Salamanders ou les White Scars arrivèrent. Gilliman rencontra le capitaine Imperial Fist Alexis Pollux qui avait atteint Macrag après la bataille de Fall, promettant aux valeureux fils de Dorn que les traîtres comme Perturabo paieraient leur trahison. De même, il se retrouva avec une meute de Space Wolf dirigée par Fafnir Bloodbrod, envoyé par Malkador et les Manrus pour le surveiller. Les tempêtes Warp qui avaient si longtemps divisé la galaxie s'étaient assagies depuis la destruction de Davin
et les marées tonitruantes qui avaient aveuglé l'Ultima Segmentum s'étaient dissipées. Suite à quoi, l'ire de rebouter Gilliman et la moindre bribe de ressources militaires qu'il pouvait mobiliser avaient déferlé à la fin de l'orage. La croisade des ombres de Lorgar et Angron avait infligé des dégâts que les déprédations du Night Hunter avaient aggravés. Mais le seigneur de Macragge y avait survécu, et ses fils venaient assouvir leur vengeance. Gilliman attaqua les mondes conquis au nom du maître de guerre. Peu à peu, le fils vengeur reprit le sud galactique aux forces de Russe, menant les traîtres à de désastreuses déroutes. Les Iron Warriors furent envoyés se dresser face aux primarques des Ultramarines. Les fils de Perturabo tentirent des pièges sur la route de Gilliman et firent payer chèrement le moindre arpent de terrain conquis. Sur Terra, le retour de Sanguinus permit aux loyalistes d'apprendre que le fils vengeur poussait Horus vers Terra, offrant l'opportunité à l'Imperium de minuter son temps. Alors que la tempête de la ruine était en train de retomber, les loyalistes étaient en mesure de mobiliser leurs forces, obligeant Horus à attaquer soudainement avant que Gilliman ne fasse venir ses guerriers jusqu'au système sol. La légion du Primarque des Ultramarines était la plus nombreuse en termes d'effectifs. Sanguinus affirma que lors de leur séparation, Gilliman transmettait ses ordres pour qu'Ultramar et l'ensemble de l'Ultima Segmentum se vident de tous leurs hommes en armes et qu'il arrivera dans le système sol à la tête de forces qui égaleront presque celles d'Horus. Une course contre la montre s'engagea. Si Horus ne parvenait pas à prendre Terra à temps, il se retrouverait pris en étau entre Gilliman et le Monde Trône, sonnant sa défaite. Durant le siège de Terra, la propagande impériale remontera le moral des troupes en diffusant des tracts avec le portrait de Gilliman et un grand 13, avec pour phrase « Le seigneur Gilliman arrive, soyez braves et survivez ». Malheureusement, Gilliman arrivera trop tard. Horus et Sanguinius furent tués et l'empereur placé dans le trône d'or. Cet échec majeur de sa vie le hantera à jamais. L'hérésie d'Horus était terminée. L'âge de l'Imperium commençait. Les atroces combats de l'hérésie d'Horus marquèrent le début d'une ère fondée dans le sang, la guerre et le culte de l'Empereur-Dieu. Après le trépas de leur chef Horus, les renégats se scindèrent puis se dispersèrent. Mais les affrontements ne connurent pas de trêve pour autant. Ce fut le temps de la purge, et il fallut d'innombrables victoires pour préserver le jeune Imperium alors au bord de la destruction. Finalement, les traîtres et les hérétiques qui parvinrent à survivre s'enfuirent pour se soustraire au courroux des forces loyalistes. Nombre d'entre eux trouvèrent refuge dans des coins inexplorés de la galaxie, voire s'évanouirent dans l'œil de la terreur ou d'autres failles warp moins connues. Exilés de force, ceux qui s'étaient voués au chaos pansèrent leurs blessures et maudirent l'empereur, se jurant d'achever un jour ce qu'ils avaient commencé. Cependant, l'Imperium devait se rebâtir en toute hâte, car les ravages causés par l'hérésie et la purge laissaient l'humanité vulnérable. De nombreux mondes colonisés et intensément sollicités par l'effort de guerre étaient désormais sans défense. Des envahisseurs extraterrestres se pressèrent alors de toutes parts, conduisant à la perte d'innombrables planètes. Pas un système jadis imprenable n'était désormais à l'abri de la menace Xenos. Dans ce tumulte, la structure hiérarchique de l'Imperium subit également des changements fondamentaux, passant du règne de l'Empereur à une régence en son nom. Parmi ces changements, beaucoup furent motivés par une paranoïa grandissante. Durant les longs affrontements de la purge, on découvrit que les mondes passés à l'ennemi étaient bien plus nombreux qu'escomptés. L'origine de leur trahison était souvent difficile à identifier, et remonter la piste relevait généralement de l'impossible. Méfiance et suspicion rampèrent dans le sillage de pareilles séditions et ce fut l'avènement d'une nouvelle ère de disgrâce, de peur et de ténèbres, car les graines du doute avaient été semées. Suite à l'hérésie d'Horus, c'est rebouté Gilliman qui orchestra la majorité des contre-attaques qui permirent de repousser les forces du chaos. Les Ultramarines formaient la légion la plus populeuse, les autres ayant subi de lourdes pertes au cours de l'hérésie.
Gilliman lui-même semblait partout à la fois. Il rallia les défenseurs des mondes impériaux et les renforçait avec ses propres guerriers pour remporter la victoire avant de passer à une autre zone de guerre. Les Space Marines ne cédèrent pas un pouce de terrain tant leur foi en l'Imperium, en l'Empereur et en leur Primarque fut grande. Une fois la menace d'extinction écartée, Gilliman, portant désormais le titre de seigneur commandeur de l'Imperium, s'assura qu'une telle catastrophe ne pourrait jamais plus se reproduire et il coucha par écrit un ouvrage appelé « Le Codex Astartes ». Ce texte devint l'élément le plus essentiel de son héritage. Il décrivait en détail les rôles tactiques de l'Adeptus Astartes, ses équipements, ses marquages d'uniformes, ses protocoles de commandement et bien d'autres aspects des doctrines des Space Marines. Le décret le plus important du Codex Astartes imposait la division des légions de Space Marines en confréries d'environ 1000 combattants, appelés chapitres, afin que leurs forces disséminées soient moins sensibles à la propagation de toute forme d'hérésie. Ainsi naquirent les chapitres de l'Adeptus Astartes. Lors de cet événement, appelé la Deuxième Fondation, chaque légion donna naissance à un seul chapitre conservant le nom d'origine et à plusieurs autres chapitres nouvellement baptisés. Chacun de ces nouveaux chapitres devait choisir un monde chapitral ou l'équivalent pour y implanter sa forteresse monastère. De cette façon, les guerriers d'élite de l'humanité purent se répartir dans tout l'Imperium afin de répondre plus rapidement aux menaces émergentes. Le Codex Astartes précisait que chaque chapitre de Space Marines devait compter 1000 frères de bataille et qu'il devait se charger de leur recrutement, de leur entraînement et de leur équipement. Plus jamais un homme ne serait à la tête d'une formation aussi redoutable qu'une légion de Space Marines. La purge fut marquée par une violente campagne contre Perturabo et son éphémère empire de fer. Sur Sebastus IV, le seigneur de fer avait conçu un piège pour attirer Rogaldorn, la forteresse éternelle, un lieu censé être imprenable. Rogaldorn attaqua Sebastus IV dans l'espoir de capturer le primarque renégat. Mais la forteresse éternelle était en fait un piège sophistiqué et les Imperial Fist s'embourbèrent dans des pièges meurtriers. Rogaldorn refusait d'admettre l'évidence et s'apprêtait à mener une bataille suicidaire contre le Seigneur de Fer et ses Iron Warriors. Prévenu de la situation, Rebouté Gilliman envoya les Ultramarines au secours des Imperial Fist, forçant les Iron Warriors à reculer. Dorn et ses fils survivants évacuèrent Sebastus IV, mais durent abandonner leur mort, laissant les gènes qui furent récupérés par Perturabo, qui les sacrifia aux dieux sombres, lui offrant l'ascension démoniaque et le monde démon de Medrengard. Gilliman finit par rencontrer son destin ultime lors de la bataille de Thessala. Pourchassant son frère hérétique Fulgrim, devenu un prince démon de Slaanesh, la flotte de Gilliman engagea un affrontement spatial avec l'armada des empereurs Children's au-dessus du système de Thessala. La bataille tournant en sa défaveur, Gilliman, accompagné d'une escouade d'abordage constituée d'Ultramarines et de Nova Marines, se téléporta de sa barge de bataille, le poigne de pouvoir, jusqu'à l'intérieur du navire amiral de Fulgrim, le cuirassé fierté de l'Empereur. Les deux frères s'affrontèrent sur l'héliopole du cuirassé hérétique. Fulgrim réussit à blesser mortellement Gilliman à la gorge grâce à sa lame empoisonnée. Mourant, Gilliman fut sauvé par le sacrifice de ses Astartes qui parvinrent à le téléporter sur sa barge de bataille. Devant la gravité de sa blessure, Gilliman fut placé dans un champ de stase un instant avant son trépas définitif, puis transporté sur Macrag dans un temple où il restera enfoui jusqu'à la fin du 41e millénaire, figé dans le temps. Pendant 10 000 ans, l'empereur de l'humanité se tint immobile sur le trône d'or de Terra, son corps desséché à peine plus qu'une enveloppe du grand homme qu'il était autrefois. Sa vision grandiose, l'impérium de l'humanité, perdure, mais elle ne prospère pas, car elle subsiste sous un voile de misère et de persécution, de suspicion et de méfiance. Ce royaume est assailli de tous côtés,
et de l'intérieur par les hérétiques, les sorciers et les xénos. Et ce n'est que par le sacrifice sans fin de nombreux citoyens que l'Imperium continue d'exister. Pourtant, à la fin du 41e millénaire, l'Imperium affronte son plus grand défi. Les orques se multiplient dans toute la galaxie et détruisent tout sur leur passage. Les légions mécaniques des Nécrons se lèvent de leur monde nécropole et se mettent en devoir d'exterminer la vermine humaine qui a envahi leur empire de jadis. Sur la bordure orientale, l'Imperium doit faire face à la menace grandissante de l'Empire Tau à la technologie avancée. Alors que les vrilles des flottes ruches tyrannides arrivent d'une autre galaxie afin de dévorer toutes les planètes qu'elles croisent. Pire encore, toutes ces menaces bien tangibles ne semblent rien comparées à celles du chaos. Car par-delà le voile de la réalité, les puissances de la ruine exhortent leurs serviteurs mortels à commettre des actes diaboliques, tandis que des légions de démons se manifestent dans l'univers matériel en nombre sans cesse croissant. Puis vint la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau et la chute de Cadia. Face à cette incursion chaotique majeure, les hauts seigneurs de Terra envoient des milliards d'hommes vers leur mort dans le but de sauver l'Imperium. Cependant, ce sont les Aeldari, une race plus clairvoyante qui réalisa que ce dont l'Imperium avait besoin, c'était d'un héros, un symbole manifeste de la volonté de l'Empereur. L'Imperium avait besoin d'un Primarque. À la fin du 41e millénaire, la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau débuta. Dans les jours qui ont immédiatement suivi la chute de Cadia, le sorcier du chaos Zarathiston informa le Fléau d'une réalité inquiétante. Le sorcier avait découvert à travers des présages que l'Archmagos Dominus Belisarius Cole avait échappé à la destruction de Cadia avec un dispositif en sa possession qui pouvait inverser le cours de la longue guerre en faveur de l'Imperium. Le Fléau apprit également que Cole, accompagné des survivants de Cadia, s'était échappé dans la toile avec l'aide des Inari et se dirigeait vers Macragh. Pour neutraliser la menace naissante qui pesait sur son triomphe, Abaddon envoya une partie de sa flotte noire envahir le royaume d'Ultramar. La croisade célestinienne, nommée en l'honneur de Sainte Célestine, la sainte vivante venue en aide aux défenseurs de Cadia dans les heures les plus sombres du conflit, fut menée non seulement par son homonyme, mais aussi par l'Archmagos Cole, le sénéchal Marius Amaric des Black Templars et l'inquisitrice Catarinia Greifax de l'Ordo Hereticus. Ces héros, rejoints par les commandants Inari Ivren et le Visarque, ont d'abord quitté la toile pour se rendre sur le monde de la Fis dans le secteur du système de Macragh. Ils découvrirent que les forces du chaos avaient déjà envahi l'empire des Ultramarines, ces derniers parvenant à les garder en respect. Les croisés et leurs alliés à Eldari convainquirent les Ultramarines de leur accorder une entrevue avec le seigneur de Macragh. Les guerriers d'Ultramar acceptèrent. Les Célestiniens arrivèrent sur Macragh à bord d'un vaisseau des Ultramarines pour découvrir que la capitale d'Ultramar subissait une invasion à grande échelle par les forces du chaos. Alors qu'une terrible bataille faisait rage en orbite entre les flottes du chaos et celles des loyalistes, les rescapés de Cadia furent conduits dans la forteresse d'Hera, la forteresse monastère des Ultramarines, devant Marneus Calgar en personne. Le maître de chapitre apprit de Belisarius Cole que ce dernier avait connu Robute Gilliman il y a plus de 10 000 ans, à l'époque de l'hérésie d'Horus. Cole expliqua qu'il avait été chargé par Gilliman de trouver un moyen de redonner vie au Primarque avant même que celui-ci ne soit blessé mortellement. Après de nombreuses discussions, les Célestiniens et les Inari furent autorisés à pénétrer dans le temple de la correction où Gilliman était assis en stase. À ce moment-là, Ivren fit appel au pouvoir de son dieu, Ined, le dieu des morts à Eldari récemment réveillé. Le pouvoir du dieu Xenos, combiné avec la technologie arcanique de Cole, fut utilisé pour soigner la blessure du Primarque et le réveiller de son sommeil de 10 000 années. Sous les yeux ébahis des impériaux et des traîtres, le fils vengeur se leva, bouleversant à jamais le destin de la galaxie. Le destin de Macragh, d'Ultramar et de l'Imperium était désormais chamboulé pour toujours, et les Ultramarines furent de nouveau sous le commandement de leur Primarque. Il fut couronné en tant que Primarque restauré du chapitre des Ultramarines et de tous ses chapitres successeurs, et en tant que seigneur de Macragh et souverain d'Ultramar.
Guilliman interrogea l'ensemble des acteurs présents afin de commencer à comprendre ce qui s'était passé depuis sa chute face à Fulgrim. Il fut horrifié, désespéré et furieux de constater que l'Imperium et le rêve de son père étaient devenus un cauchemar totalitaire, superstitieux et en déclin, vénérant l'Empereur comme un dieu. Il mena ensuite une brillante campagne afin de chasser définitivement les traîtres qui pullulaient dans Ultramar. Guilliman annula ensuite les traités qui avaient divisé l'ancien domaine des 500 mondes d'Ultramar afin de reconstituer son ancien empire. Rassemblant des forces venant de tout l'Imperium avec les Ultramarines en tête, le capitaine Sicarius, Belisarius Cole, Greyfax et Sainte Célestine comme lieutenant, et alors que le Warp devenait de plus en plus turbulent à la suite de la 13e croisade noire, le Primarque assembla une immense flotte afin d'atteindre Terra, laissant Macragge et Ultramar entre les mains habiles de Marneus Calgar. Tandis que la grande obscurité envahissait des pans entiers de la galaxie, rebooté Guilliman peaufinait sa stratégie sur Terra qu'il venait récemment de rejoindre. Il s'était rendu devant le trône d'or et sa détermination s'en était trouvée raffermie. Peu de temps après sa nomination au rang de seigneur commandeur de l'Imperium par les hauts seigneurs de Terra, il avait ordonné la formation d'une armada. Il déclara alors la croisade Indomitus, avec pour objectif de repousser les forces du chaos et venir en aide au monde de l'Imperium assiégé. L'Astronomicon connaissait encore des coupures intermittentes, forçant Guilliman à n'effectuer que le courso à travers le warp et progressant d'un système à l'autre. Lorsque les planètes pouvaient être sauvées, Guilliman libérait toute la puissance de ses armées, permettant de repousser les hordes démoniaques sur Gatalamor, le système Drogos et Talarn. Il vainquit le tyran d'airain des étendues de l'Orme et libéra la population d'Ophélia de l'esclavagisme imposé par le tyran de la Flamme Bleue, même si ce démon majeur échappa à la justice de l'Empereur. Sur Rhin, l'arrivée de Guilliman permit de vaincre les légions du prince démon Raxor, et une fois les combats terminés, les Crimson Fist purent constater avec émerveillement le retour du Primarque qui rencontra en personne le maître de chapitre Pedro Cantor, le couvrant d'éloges pour sa pugnacité qui faisait honneur à Rogaldorn. Il permit aux Crimson Fist de retrouver leur quasi-potentiel lorsqu'il leur présenta un contingent de Space Marines Primaris aux couleurs du chapitre. À Fenris, rebooté Guilliman, le Primarque des Ultramarines rencontra les Space Wolves, les grandes compagnies se rassemblant pour l'accueillir quand sa croisade Indomitus traversa le sous-secteur. À son arrivée, Guilliman offrit aux Space Wolves des Primaris, créés à partir du stock génétique de Russ. Certains seigneurs loups soupçonnèrent que ce présent de Guilliman soit une ruse pour mettre fin à leur tradition et pour forcer les Space Wolves à accepter les préceptes du Codex Astartes. Néanmoins, le loup suprême Logan Grimnar se plia à la volonté du seigneur commandeur. Ralliant la forteresse monastère des Dark Angels, le Rock, Guilliman rencontra le maître de chapitre Azrael, bien que ce dernier ait hésité à se battre contre lui, craignant qu'il sache un secret terrible sur son chapitre. Lors du court conseil de guerre, Guilliman mit en avant les menaces auxquelles faisait face l'Imperium et ses plans pour la suite de la croisade Indomitus. Il évoqua aussi une mise à jour du Codex Astartes et comment les descendants de son frère Lionel Johnson conservaient le droit de garder leurs ailes spécialisées tant qu'ils continuaient à servir l'Empereur. Les Dark Angels et leurs successeurs s'agenouillèrent devant lui, prêtant serment de lui obéir. Guilliman rallia Baal, le monde chapitral des Blood Angels, à temps pour détruire les derniers éléments de la flotte ruche Léviathan qui avait pris d'assaut les fils de Sanguinus lors de la terrible dévastation de Baal. Guilliman rencontra le commandeur Dante, refusant qu'il s'agenouille devant lui car au vu de ses états de service, il était l'un des rares dans cette ère à avoir gagné le droit de parler d'égal à égal avec lui, notamment pour avoir sauvé une partie du segmentum de l'appétit de Léviathan. Plus tard, lorsque Dante se remit de ses blessures, Guilliman annonça au vaillant maître de chapitre qu'il devait lui donner un nouveau fardeau. Il le proclama régent de l'Imperium Nihilus. Il lui demanda aussi d'améliorer les conditions de vie de population de Baal, argumentant que les hommes cruels n'engendraient que des seigneurs de guerre cruels. Puis il quitta Baal,
certain que Dante se montrerait digne de la tâche qu'il lui avait confiée. Il fallut de nombreuses années au seigneur régent de l'Imperium pour se familiariser avec ce nouvel empire galactique à mille lieues de ce que l'empereur avait imaginé pour l'humanité. Après son entrevue avec son père, Gilliman en conclut que l'empereur n'était pas un dieu à l'époque où il l'avait connu, mais que maintenant, s'il était véritablement un dieu, il devait réfléchir sur comment cela influencerait ses stratégies. S'il ignorait la vérité de la situation simplement parce qu'elle ne correspondait pas à ses propres théories, alors Gilliman savait qu'il échouerait. Mais à l'inverse, s'il adoptait ce mode de pensée et fondait toutes ses décisions pratiques dessus, quel genre de victoire le primarque des Ultramarines récolterait-il dans l'avenir? Cela, nul ne peut le dire. Du moins, pas à l'instant. Ce n'est que plus tard, lors du retour d'un de ses frères, que Gilliman pourra peut-être consentir à une approche plus pragmatique de la situation de l'Imperium. Il est évident qu'il ne pouvait sauver la galaxie seul.